je ne sais plus vraiment où j'en suis. J'ai pas l'impression d'aller beaucoup mieux depuis notre dernier rendez-vous. Alors, je sais que vous m'avez dit que des moments de stress ou d'égarement peuvent survenir, mais je sais pas. Avec Rachel, on est allé au bowling la semaine dernière. C'était génial. Bon, elle a gagné, mais c'était très serré. Et à côté de nous, il y avait une famille avec des enfants qui jouaient. Ils s'amusaient. Moi, je les regardais de loin. Et j'arrêtais pas de me dire que peut-être qu'un jour, avec Rachel, nous, on pourrait avoir aussi... Enfin... C'est bête, non? Bonjour, mon amour. Bonjour. Ça va? Oui. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Mais tu t'es blessé? Ah, ça. Je me suis coupé dans le métro. Mais ta main est ouverte. Ah. On va les désinfecter, hein. Ok. Vous savez, c'est pas facile d'être comme moi. Les gens me jugent parce que je ne suis pas exactement comme eux. Quand ils me regardent, je vois qu'ils me prennent pour un dégénéré. Oui, un dégénéré. Alors que Rachel, non, elle ne me regarde pas comme ça. Elle ne me regarde pas comme eux. Avec Rachel, j'ai vraiment l'impression d'être comme tout le monde. Demain, on va au parc, tu sais. C'est le meilleur moment, là. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Ah ouais? C'est quoi? Je te le dirai demain. Je peux vous dire quelque chose? Voilà, il y a des moments où je sens que je perds le contrôle. Vous êtes là à me dire que je vais bien, que c'est normal, que ça arrive à tout le monde. Mais moi, il y a des moments où je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire que ça tourne là-haut, ça commence à tourner de plus en plus. Mes idées deviennent confuses, je n'entends plus rien. Et à ce moment-là, je sais que je ne maîtrise absolument plus rien. Vous savez, depuis tout ce temps que je viens vous voir, j'ai vraiment l'impression que vous ne m'avez jamais écouté. C'est drôle, cette lampe. Vous savez... À chaque séance, je la regarde. Et à chaque séance, je me dis qu'on est pareil tous les deux. On rayonne, on diffuse la lumière autour de nous. Mais ce qu'on ignore, c'est que... à l'intérieur, ça chauffe, ça brûle, et ça finit par se casser. Parce que ça finit toujours par se casser. Ça se brise, et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lumière, plus de chaleur, plus rien. Seul le vide subsiste. Vous me prenez pour un fou? Je vois bien dans vos yeux, vous me regardez comme tous les autres. En fait, tout ce que vous savez faire, c'est rester là, assis, à faire semblant de m'écouter. Vous n'avez rien à dire. Vous le mettez vraiment, mais... d'aucune aide. Vous savez, je ne ressens plus de douleur. J'ai trop souffert pour encore ressentir quelque chose. Vous ne croyez pas ? Je pourrais ouvrir la main devant vous que je ne ressentirai toujours rien.